Alors, nous sommes en présence de Nota Bene, youtubeur tenant principalement une chaîne d'histoire, pour dire ça grossièrement. Et donc, première question pour toi, dans ta vidéo sur les droits d'auteur, tu expliques bien la problématique de ceci, mais pourquoi tes vidéos ne sont pas en Creative Commons? Pourquoi elles sont pas en Creative Commons? C'est une bonne question, parce que franchement, moi-même, j'y ai pas trop réfléchi sur mes créations. Après, honnêtement, je vois absolument pas d'obstacle au fait que les gens s'approprient mon matériel et le réutilisent pour autre chose. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des poupes qui ont été faits sur mes vidéos qui m'ont fait vraiment super marrer. J'étais très heureux que les gens aient pu se réapproprier ce matériel-là. Après, je ne sais pas, pour l'instant je suis dans une démarche où je suis dans mon entreprise, etc. J'ai envie, enfin pour l'instant je pourrais tout passer en CCY, il n'y a pas de problème. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de... J'ai pas de réponse, c'est juste que j'ai pas cliqué sur le bouton quoi. Mais après, moi s'il y a une personne qui vient et qui me dit est-ce que je peux l'utiliser pour ci ou pour ça, à moins que ça soit juste pour le prendre, le re-uploader et le monétiser, et donc me voler un peu mon travail, j'y a aucun problème. Et d'ailleurs, dans des écoles ou des trucs comme ça, les gens prennent la vidéo et la rediffusent derrière, moi ça me pose absolument aucun problème. Enfin, c'est même plutôt cool. Okay, bah super. Quelle était la motivation pour toi et Conmu de lancer justement la chaîne de la vidéothèque d'Alexandrie? Alors c'est pas une chaîne, au début c'était un groupe qui est devenu aujourd'hui une association. Et en fait le but de la vidéothèque d'Alexandrie c'était de faire découvrir aux gens des vidéos et des vidéastes culturels, enfin, dit culturels, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la culture, c'est un peu dur à définir. Donc le but c'était pas de créer un étendard pour dire ouais allez venez tout ce qui est le youtubeur culturel, on se rassemble sous un même étendard, ça aurait été un peu ridicule, mais le but du jeu c'est vraiment de faire découvrir des vidéastes. Et c'est pour ça que bon là on est encore en plein remaniement, en pleine phase de maturation, ça fait que 6-7 mois que ça existe la vidéothèque, donc on réfléchit encore beaucoup. Et le but du jeu ça va vraiment être de mettre des vidéos en avant, voilà, pour que le public d'un côté y trouve son compte, puisse découvrir de nouveaux domaines qui sont traités. Et par exemple il y a des domaines qui sont pas forcément encore trop traités, qui arrivent là dernièrement sur notre forum, on a vu des vidéastes qui allaient traiter du droit, tout simplement, du droit civil, etc. par exemple. Donc c'est assez chouette de voir ça débarquer, et de voir que des choses qui paraissent hyper compliquées comme le droit, moi en général je ne comprends absolument rien, que là il y a des gens qui vont pouvoir me faire comprendre des contenus aussi complexes que ça. Donc voilà, mettre en avant des contenus culturels, et puis d'autre part aussi pouvoir aider les gens qui ont envie de se lancer sur ce créneau à réaliser leur projet en fait. Parce que la vidéo, c'est un moyen de s'exprimer qui aujourd'hui est assez accessible au final. On peut tous s'acheter une petite caméra, un petit micro, ça coûte pas très cher. Par contre, il faut apprendre à s'en servir. Et si on veut que un discours passe bien, il faut aussi que la forme soit un peu au service du fond. Donc avoir un bon fond, c'est très bien. Avoir une bonne forme, c'est aussi mieux. Donc c'est pour ça qu'on a un forum, on a un service de, on a ce qu'on appelle un mumble, un service vocal où on est souvent dessus le soir et où les gens des fois viennent et nous posent des questions. Voilà, j'ai tel projet, comment est-ce que je peux le réaliser? J'ai tel souci technique, comment est-ce que je peux réussir à faire ma vidéo sans ce problème-là? Et c'est important pour nous aussi d'aider à ça, quoi. Parce qu'un discours qui a une bonne forme, c'est un discours qui passe mieux. Donc faire des vidéos sur YouTube, est-ce que c'est sortir du système? Est-ce que c'est plus de liberté? Est-il possible de faire une association, pour une association comme nous, justement, reconnue par l'État, de faire des vidéos légitimes? Oui, sur YouTube on a peut-être un peu plus de liberté, on a plus de liberté qu'à la télé. Il y a des sujets qu'on peut traiter qui ne seront pas traités à la télé. Moi, dans mes sujets d'histoire, si aujourd'hui j'ai envie de parler d'Henri IV et que demain j'ai envie de parler de, je sais pas, la guerre du Péloponnèse, je peux le faire sans aucun problème. Si la semaine d'après j'ai envie de faire de la biographie et puis deux semaines après j'ai envie de faire un truc sur des cartes, je peux le faire, il n'y a pas de problème, j'ai ma ligne éditoriale, j'ai mes choix, je fais entre guillemets ce que je veux sur ma chaîne, donc c'est une liberté qu'on peut avoir. Après, nous, je pense qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits avec la télé. C'est pas parce que, enfin, là je parle pour moi personnellement, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai cette liberté sur YouTube que je n'accepterai pas de faire des choses, par exemple, que ce soit à la télé ou à la radio. Parce que cet effort de vulgarisation et de compréhension d'un discours qui parfois peut être un peu technique ou compliqué, si on arrive à l'apporter aussi sur d'autres médias, pourquoi pas, ça peut être très enrichissant pour tout le monde.
Après, pour répondre à la question de la légitimité, la télé, c'est un média qui est assis depuis des dizaines et dizaines d'années, donc il peut avoir une certaine légitimité auprès du public. Il se dit, ah, c'est la télé, donc c'est vrai, comme à la radio. Mais c'est faux. Et depuis très longtemps, on sait qu'à la télé, parfois, il y a des choses qui sont racontées qui ne sont pas du tout vraies. Sur Internet, c'est exactement la même chose. Sur Internet, il y a du vrai, il y a du faux. Il faut savoir prendre du recul et analyser un petit peu ce que les gens nous disent. Le souci qu'on peut avoir, c'est que effectivement, YouTube, c'est regardé par notre génération, une génération qui est assez jeune aussi, et qui parfois peut avoir tendance à prendre comme référent des YouTubeurs qui ont un peu pignon sur rue. Le problème que ça peut susciter, c'est que donc ils vont prendre les propos de ces YouTubeurs comme des acquis, comme des valeurs sûres. Or, parfois, c'est peut-être pas le cas. Et donc il y a une espèce de responsabilité que se doit d'avoir chaque youtubeur qui fonctionne et même qui commence d'être le plus sérieux, d'être le plus vertueux possible dans ses recherches et dans son discours pour ne pas transmettre de fausses informations ou d'éviter on est tous humains, on peut faire des bêtises, mais d'éviter de les multiplier parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis du public et vis-à-vis de ce qu'on lui raconte. Comme tu l'expliques dans ton premier FAQ, le plus important dans une vidéo, c'est qu'elle soit intelligible et particulièrement au niveau du son. C'est à la portée de tout le monde d'avoir une bonne diction et de trouver le bon timbre de voix. Est-ce que tu aurais des astuces à donner ? Ça, il faut s'entraîner. Après, moi, je sais que j'articule beaucoup. Parfois, on me l'a reproché aussi, hein, parce que on m'a dit, wow, c'est pas très naturel, etc., etc. S'entraîner, beaucoup parler à l'oral, ne pas hésiter à prendre la parole. La plupart du temps, les gens qui sont à l'aise, c'est peut-être des gens qui vont essayer de faire du théâtre aussi. À un moment donné, même si on tient un discours devant une caméra et qu'au final on est tout seul dans notre chambre, c'est plus facile que d'être devant un public. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et au départ, une caméra, ça peut être très intimidant. Il y a ça et il y a aussi le fait que, et c'est encore le cas pour moi, quand je me regarde en vidéo, je me dis qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que je passe mal, qu'est-ce que je parle mal, etc. Enfin, je me dévalorise beaucoup quand je regarde et on est beaucoup dans ce cas-là. Donc il faut un peu prendre confiance en soi, prendre de l'assurance. Ça peut passer justement par, je sais pas, passer par des soirées à faire des débats devant les gens, aller faire du théâtre, pouvoir s'exprimer. Si on est tout seul chez soi, bah je sais pas, peut-être se mettre devant la glace et jouer, essayer de faire quelque chose pour rigoler. C'est pas être ridicule, c'est s'exercer. Mais en tout cas, il faut pouvoir se lâcher. L'important, c'est d'être naturel. C'est-à-dire que je préférerais regarder un youtubeur qui articule pas très bien et puis peut-être qui ponctue pas très bien ses phrases, mais qui est totalement naturel. Qu'une personne avec un discours, on sent que c'est surproduit, surécrit, qu'il n'y a absolument rien de naturel dans sa manière d'aborder les choses. Moi, ça m'agacerait plus qu'autre chose, en fait. Un peu comme une pièce de théâtre, quoi. Oui, tout à fait. On peut jouer les choses, mais je pense qu'il faut rester sincère à un moment donné. Et ça, c'est important. Faut pas trop surjouer, sinon ça peut être vraiment défavorable aux youtubeurs. Donc voilà, de toute façon, la création de vidéos, il faut bien se dire ça, c'est-à-dire que c'est difficile au début, il faut se lancer, son travail, il est soumis à tout un tas de gens qu'on ne connaît pas, il n'y a pas de barrière, entre guillemets, c'est sur Internet, donc les gens sont beaucoup plus libres, et dès les premières vidéos, on peut prendre des critiques assez virulentes sur ces vidéos, il faut pas les prendre pour soi, il faut en faire une force, et retirer de ces commentaires le meilleur pour pouvoir progresser, et c'est en faisant de plus en plus de vidéos, qu'on peut s'améliorer non seulement dans sa diction, dans son jeu, mais aussi dans son interprétation, mais aussi dans son montage, dans sa qualité d'image, dans son son, etc. Et le temps de trouver un rythme de croisière, il peut tout à fait se passer 10, 15 vidéos, le temps de pouvoir se poser, de se dire « ça y est, je crois que j'ai trouvé en fait là où je suis bien ». Petite donc question rapide, pourquoi faire autant de vidéos hors série ? Est-ce que il y a plusieurs objectifs à cela ? Et pourquoi partager ta vie privée avec tes abonnés ? Alors, ça peut donner l'illusion que je partage une vie privée, c'était pas forcément le cas. Bon, il y a certains trucs que je me dis, bon, c'est pas très grave. Présenter ma femme qui fait aussi des vidéos qui m'aident pour Nota Bene, pour moi c'est naturel. Après, c'est aussi parce que on a tous
une façon différente de gérer la chose et de gérer le rapport à l'autre sur YouTube, sur des plateformes comme ça. C'est vrai qu'on est exposé à plein de gens, des gens qu'on ne connaît pas en plus, et il y a plusieurs attitudes à adopter vis-à-vis de ça. Il y a des gens qui vont rester dans leur personnage, qui vont rester sur leur vidéo et qui vont absolument bloquer toute part à leur vie privée, qui vont laisser absolument rien transparaître sur leur vie privée, et c'est tout à fait louable, c'est même assez sain. Bon, moi je considère que en donner un petit peu sur moi comme ça, c'est pas très grave. Ça fait peut-être que les gens se sentent un peu plus proches du programme, que moi aussi je me sens un peu plus proche d'eux parce que des fois je me livre un petit peu et je vois pas le mal entre guillemets que ça peut faire dans les vidéos. Donc voilà, il faut bien garder à l'esprit que ce que je laisse transparaître de ma vie privée, c'est ce que je veux laisser transparaître et que en fait, il y a énormément de choses que les gens ne savent pas, tout simplement, et qu'il y a au final peu d'informations que je livre sur ma vie privée.